Nous sommes très fiers de cette convention, c'est quelque chose que nous attendions, sur lequel nous travaillons. Nous voulions être pionniers en Tunisie sur le sujet, c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que va nous apporter cette convention et notamment pour nous, travailler sur l'intelligence émotionnelle? C'est dans notre vision 2019, il faut qu'on avance très vite sur le sujet, mais nous espérons aussi qu'elle va nous apporter une vision différente du monde du centre de contact, que des jeunes vont venir nous retrouver. Nous allons embaucher cette année plus de 1500 personnes aujourd'hui, donc j'invite tous les jeunes à venir nous rejoindre. Merci à IREM de s'intéresser à la cérémonie de signature d'un accord de partenariat avec Téléperformance, un accord historique entre deux institutions, une académique très ouverte depuis des décennies sur le monde savant et une autre plutôt entreprise donc œuvrant dans l'écosystème et donc dans l'économie. Donc cet accord a fait vraiment a créé une connexion, une nouvelle connexion que nous estimons très, très enrichissante aux deux institutions et historique. Pourquoi historique? Parce que ça marque l'ouverture de la faculté à travers son centre de carrière sur l'écosystème. L'article de la convention les centres de carrière. Une des missions des centres de carrière, c'est تفتح آفاق للطلبة المتخرجين وتهيئهم أكثر فأكثر للتشغيلية تهيئهم عبر برامج وعبر علاقات مع مؤسسات اقتصادية واجتماعية وثقافية النهار اللي نشوفوه اليوم هو يخص الطلبة خريجي كلية الآداب سابقا أو كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب 9 أفريل التابعة لجامعة تونس واللي مشرف على الاتفاق هذا هو من قسم علم النفس وكما شفتوا الانتليجنس ايموشنيل اللي طالبينها هما تدخل في اختصاص خريجي علم النفس.